Oh, c'est horrible. Oh, ça donne mal. Ça va être dur à regarder, hein. Des bruits bizarres autour. Le fameux trou, bah, je crois que j'ai fait tout le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Non, ici il n'y a rien. Oh, bah, c'est bon. Ah oui, alors. Va finir de déposer tout la masse de trucs qu'on a. Et on va pouvoir aller. Est-ce que si, je pense que c'est bon. J'espère que c'est bon. Voilà, je me disais. Ok. Punch TNT before you continue. Ok, ça c'est pour sortir en fait. C'est pour s'enfuir. Ok, nice. Plutôt bien foutu, on va éclairer avant d'avoir des problèmes. On va ressortir dans un coin et on a la fameuse voûte. Le lieu de tous les secrets. Parce qu'en fait si on meurt ici et qu'on n'a pas punché la TNT, on a l'air vraiment con. Mais en fait, c'est loin d'être fini. Je me rends compte que c'est loin d'être fini. Ok, ça j'aime pas ça. Y a des slimes, what? Ah! Ah très bien! On en parle du Wither squelette en diams avec un truc sur la tronche. Ok, ça tombe d'au-dessus. Failli avoir un CD. Faut que j'aille désactiver ces trucs. Non, non, non. On va tuer les creepers maintenant. Après le message. Ok, mieux déjà. Oh, tu m'apportes une slime ball, c'est cool, mec. J'aime bien. Ouais, par contre, tu prends pas l'armure du mec à côté, t'es gentil. Ok, ils ont spawné en dehors. Ça va, ils sont costauds, mais j'adore parce qu'ils ont pas de bras. Mais ils font pas trop mal. Ah! Ça, je kiffe moins. Je dois avoir une. Une potion de. Oh! Je l'ai pas sur moi. C'est pas très malin ça. Ils étaient où les spawners? Ils étaient en bas, je crois. Ok. Très bien. Non mais calme-toi.
Je sais pas où je vais. Hein. Oui, le message, mais je te lirai pas maintenant, trop de pression. Tu vas me saouler longtemps, toi! Non, mais les mecs! Stop! Stop les conneries! Le problème, c'est les blazes. Ouais, donc quand on tire sur un creeper, il explose. Le problème, c'est les blazes qui ont l'air de spawner d'au-dessus. J'ai cassé tous les spawners. C'est plutôt la bonne nouvelle. Je sais pas où sont les. Ok, maintenant je sais. Ouais, le problème c'est le verre ici, hein. Il y a de la lave en dessous. C'est pas conseillé ce que je fais. Le spawner n'est pas activé d'ici, on va déjà dégommer les autres. Voilà. Si tel est ton destin, que ça spawn de là aussi. Ah non! Ok, il est là le spawner. Voilà! Ok, la laine est là. Il semblerait qu'il y ait un autre spawner ou c'est celui de tout à l'heure. Oh, ils sont tous morts! Putain, cette salle est... On a juste la laine, on n'a pas un petit coffre bonus. Mais par contre, on avait quoi de tomber dans la lave 46 000 fois. On va éviter les bêtises. Ok, c'est full vert. Cool. Okay, j'ai récupéré des petites armures. Bon, bah voilà, une laine de plus. Que demande le peuple? J'ai pas trouvé de redstone, peut-être qu'en sortant on va en trouver. Rien l'air d'avoir d'autre. C'est cool tout ça, c'est cool. Ta ta ta. Bien foutu une fois de plus. De l'originalité, ça change des autres levels qu'on a fait. Ok, c'était donc là. Le fameux truc. Je me souviens, si je dis pas de bêtises, que sur un des trucs, il y avait un passage qu'on voulait aller voir, comme là, il y avait un passage droit dans le mur, mais il n'y avait rien. Il y a beaucoup par là-bas. Il y avait un coin où je voulais aller voir. C'est pas le pont là-bas. Si, c'est au bout du pont là-bas. Mais je crois qu'il n'y a rien.
On va aller juste jeter un œil. Merci. Non, c'est juste un trou, il n'y a rien d'autre. Vous voyez, hein, ça va là, mais. Il n'y a rien d'autre. Coucou les creepers, ça va? Bon, bah voilà. Laine bleue, résolue. Sans trop de difficultés. Il va falloir venir le voir, le petit bonhomme là. On va voir ce qu'on prend. Je sais pas combien j'en ai, mais je crois que je les ai tous eus en fait. Hein. Qu'on peut pas tout prendre. À moins qu'il y en ait plus loin après, mais. Peut-être des coffres cachés. Hein. Mais en tout cas, j'ai tout exploré. Vraiment. Hein. Peut-être des coffres qui ont pété aussi. Allez savoir. Bon, hop. On va voir combien on en a, ce serait bien d'avoir le plastron. Ah non, j'avais dit les bottes. Le problème c'est que le casque c'est déjà un truc cheaté. J'avais pas un plastron cheaté? Je sais plus. Bon, il nous manque toujours notre laine. Mais c'est qu'on fera un peu après. Blue! Voilà, il reste la brown. Normalement la brown c'est facile. On va voir combien il me reste, on va voir si on fait un choix sur une armure. C'est compliqué. Ah, j'en ai 9 en tout. Je peux faire botte plus casque. Ou alors plastron, ou. C'est le choix est à faire. J'ai pas de diam. Bon, déjà, moi je suis d'avis de ça, de l'abandonner et de mettre à la place. Ça, le casque, c'est pas une bonne idée à prendre parce que j'ai celui-là et derrière j'ai la tête. On va prendre tout ça. Ouais, ça, hop, on va pas laisser dedans. On va les prendre avec nous. Il manque une émeraude. Dommage. On a des levels, on va réparer ça. Non, ça sert à rien de réparer. Voilà, je suis d'avis d'aller prendre les bottes, moi. Tellement de diamants. Pioche. Potion, potion. Il me faut une résistance au feu, ça peut toujours servir. On jette ça. La nourriture. Petite protection 4 des familles, ça on peut jeter. Jeter. Pioche. Ah oui, mais j'ai Silk Touch dessus. Si jamais je rencontre de la redstone, ça m'occupe un slot. Si je rencontre de la redstone, j'irai chercher le truc. C'est pas la peine. Ça me paraît tout bon là. Ah, l'XP qui sert à rien. On va poser. Voilà. J'aurais pu. Neuf levels pour la réparer, c'est pas très cher. Ah, je peux pas la réparer. Oui, ça m'a pris mes 19 niveaux, mais ça l'a pas réparé. Le fameux bug, j'avais oublié le fameux bug. Donc on peut pas la réparer, c'est pas grave. Il reste encore de la résistance, on en a d'autres après s'il y a besoin. C'est un peu d'XP pour rien. Donc est-ce que j'ai non, j'ai que les casques et les machins enchantés. J'ai rien d'autre de cheaté. On va aller voir ce qu'on prend. Tout dépend de ce qu'on aura en émeraude après en fait, hein. C'est un peu le pari. On va aller voir qu'est-ce que c'est exactement comme produit. Ah bah là, j'ai plus mon casque, je vois plus rien. Que quand je suis au-dessus de l'eau que je vois, mais encore. Moins bien que d'habitude. Donc, monsieur l'Adamantomien, t'en as mis plein dans votre bâtiment, t'aurais pas pu me les filer plutôt. Pas de cachet là-dedans. C'est fou, il y en avait caché dans les fours. J'ai pas du tout regardé. Protection 3. Ah oui, non, elles sont nulles.
Ok. Le seul truc qui est bien, c'est l'Unbreak 10, mais sinon c'est nul. Bon, bah du coup, on va les garder. J'ai pas fait gaffe, je croyais qu'elles étaient vraiment cheatées, mais en fait, non. Donc, on va juste les garder, et puis quand j'aurai pas plus d'un plastron en diam, si ça arrive un jour, que je peux pas le réparer, ou etc., je viendrai me servir ça juste pour le Unbreak. Mais sinon, ça n'a pas d'utilité, quoi. Ah, il y a une faille là-haut. C'est là les fameux trous. Ok, c'est les deux trous de la surface où ils ont rempli d'eau. Est-ce qu'on voit le ciel? Non. Il reste juste la faille. Pardon. Je me demande, je suis sûr si on remonte en haut de la faille, mais c'est galère hein, pour placer les blocs. Je suis sûr il y a un coffre, au moins un coffre. Alors, peut-être avec un truc troll, peut-être pas, mais je suis sûr il y a un coffre là. Mais je vais pas y aller. Hop. Back to the base. On va juste replacer ça. Et on va faire la laine marron. Ouais, mettre là-dedans, ça, parce que c'est spécial. J'aimerais bien reprendre des blocs. Voilà, 42, c'est parfait. C'est les blocs de briques sont bien parce qu'ils sont très résistants aux explosions. Donc, c'est plutôt utile, surtout avec nos amis les creepers. Alors, intersection, et je crois que dans l'ordre, hein, c'est la laine marron ensuite. Si je dis pas de bêtises. Voilà, Mushroom Mania, et c'est bien la laine marron. Alors, est-ce que c'est une laine à la Vex? Ou est-ce qu'on va avoir des trucs mushroom de folie? Ah, on se téléporte déjà, ça change pas mal de choses. Oh! Take your spirit to another dimension. Ok. Ah oui, là on TP directement au Nexus. Donc voyons voir, je crois que tout se joue sur des. On va avoir que des hallucinations, des trucs comme ça. On est. Ouais, on est dans un Mushroom Island, hein. Donc les mobs ne viennent que de spawners. Ah ouais, d'accord, Putain, ils sont costauds, what? Ils ont combien de résistance? Ok. Weakness, nausée, bien évidemment. Ah, ok, spawner, il est là. Oh, ça va être horrible. Oh, ça va être horrible. Chaque fois que je les bute. Oh, c'est horrible. Oh, ça donne mal. Ça va être dur à regarder, hein. Clairement. Battez-vous entre vous. On a des gros creepers. J'arrive plus à sauter sur mon truc. Qu'est-ce que c'est que ce level? Il a pas pété, cool. Fire protection, blast protection. Ah! Ouais. Oh! On a de l'adminium ici aussi. Ok, cool. À partir de maintenant, j'ai l'impression qu'on en aura tout le temps. J'adore être sur des échelles comme ça, très pratique. Casse-toi. S'éloigner avec sa potion de. Qui est fatale. Ok, on a des belles choses. Mushroom extract, ok.
Protection 3, c'est pas mal. Oh, Feather Falling 4, Turns 3. Ben, on a des belles choses ici. Ah, encore un aluminium bloc. Ok, on a plein d'aluminium blocs. Bon, bah donc je pensais que c'était réservé. Je savais pas si vous avez vu, mais les creepers volent. Hein. Ils sont sur des chauves-souris. Ça va être fun, ça. Je la sens pas, cette zone. Y a du diams là-haut, je l'ai vu. Non, je veux pas de ta potion de malheur. Ok. Oui, il drop pas de potion. Ok. La potion. Par contre, voilà, merci. Je veux pas qu'il pète. Je sais pas s'il est immunisé. Ah, j'ai pris un peu de la potion, cool. Surtout qu'il dure trop longtemps, ces putains d'effets. Ah! Je refasse des torches. Bon, les diamants, je pense que ça va passer, un stack de plus. Est-ce qu'on a quelque chose en haut de cette tour? Pas un spawner, bien évidemment! Ah, coffre. Très bien, avec un aluminium encore de plus. La zone s'enfonce très loin par là-bas. Là-bas, derrière. On va essayer de tout explorer un peu, hein, mais ça va être galère. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être galère. Lui, ça va, il était assez en l'air. C'était pas très gênant. Pas trop de spawners pour l'instant. Sert à rien que j'éclaire comme un barge, hein, ça peut pas spawner. Mais c'est juste pour savoir par où je suis passé en fait. Par contre, ça oui, ça quoi qu'il arrive, ça spawn. Mais je veux dire, ça spawnera pas naturellement. Donc là, par exemple, c'est intéressant de passer une torche. Mais... Donc ça, c'est plutôt pas mal que ça spawn pas naturellement. On doit vraiment se focus que. Et on sait qu'il y a un spawner pas très loin. Et on est moins embêté aussi. Coffre. Smite 5, ça peut servir. Verra pas le reste. Je sais pas si. Ok. Je sais pas pourquoi ils ont l'air assez méchants, eux. Casse-toi avec ta potion de malheur. On l'a vu aussi. Celui-là, ça doit être les creepers chargés. Bingo. What? Comment j'ai pris de l'effet? Là, j'avoue que je comprends pas tout. Ça a pété. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a pété. Attends, on est vraiment au pays des shrooms, hein.
spawner par là. C'est bon, ça a fait péter l'autre spawner. Oh! Ok, on a un spawner ici. Sauf qu'il est protégé. On va l'éclairer un peu autour. Désolé pour la nausée, les gars. J'essaye d'éviter, mais je peux rien y faire. Ça me gêne autant, moi, que vous, ça va tous vous faire gerber. Et je peux pas la désactiver.